Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On parle de nouveau alimentation ATX 3.0 PCI Express Gen 5 avec la Asus ROG Strix Gold Aura Edition. On est donc sur un bloc ATX 3.0 PCI Express Gen 5 qui va proposer 1000 watts de puissance avec une certification 80 plus gold et donc du RGB puisqu'on a le Aura Edition. Cette alimentation arrive dans un boîtier qui est intégralement en aluminium. On va retrouver un ventilateur de 135 mm semi-passif jusqu'à 60% de charge. Et bien sûr, on aura des câbles intégralement modulaires avec des câbles qui sont gainés brin par brin pour avoir un résultat absolument superbe au niveau de son montage. La garantie sera de 10 ans et au niveau du tarif, on sera à 289,90€. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging, on est chez Asus, on va avoir du noir, on va avoir du rouge, on va avoir de la couleur, on va retrouver tous les marquages de la marque. À droite, l'alimentation avec le petit ROG en RGB, ensuite la référence ROG Strix 1000 watts Aura Edition, ce qui veut dire qu'on est bien sûr un modèle qui possède du RGB. Ensuite, on va voir la petite ribambelle de logo pour dire qu'en Cybernetics, on est 80 plus gold. En Cybernetics, on est à plus au niveau du volume sonore, donc on est très très silencieux. On en a ATX 3.0 avec une garantie de 10 ans sur une certif 80 plus gold avec la compatibilité AuraSync. On enchaîne maintenant sur le bundle. On va retrouver le cordeau d'alimentation, la visserie, et un petit logo ROG en aluminium, des colliers, la notice d'utilisation, des scratchs pour regrouper les câbles. Et enfin, si on le mettait à l'endroit, ce serait un petit peu mieux. Un petit 20% de réduction si vous voulez acheter des câbles gainés. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On enchaîne avec les câbles, ça fait plaisir. Tous les câbles sont gainés brin par brin. Vous aurez donc un résultat spectaculaire à l'intérieur de votre configuration. Au niveau de la connectique, elle est complète. On va retrouver un 24 broches ATX, deux câbles 4-8 pins CPU, un brin avec deux prises PCI Express 6-8 pins, deux brins avec une prise PCI Express 6-8 pins, un câble avec trois prises SATA, un câble avec deux prises SATA, un câble avec quatre prises Molex. Enfin, on aura un connecteur 12VH Power, lui aussi gainé brin par brin, en 600 watts. Enfin, vous aurez un petit câble pour pouvoir relier l'alimentation qui est RGB à votre carte mère ou à votre contrôleur RGB. Sur le côté gauche, on va retrouver les marquages Republic of Gamer Strix 1000, le logo Asus ROG en miroir avec une fonction RGB derrière. Et on voit ici que la partie est coupée en deux puisque le mesh qui est présent sur le dessus de l'alimentation vient courir sur le côté. On va retrouver la même disposition sur le côté droit. Sous cette grille en mèche, on va retrouver un ventilateur de 135 mm avec déroulement à billes pour le mode de fonctionnement, ce qui veut dire que ça sera silencieux et durable. On est sur un ventilateur de 135 mm semi-passif qui sera
totalement inaudible sous 60% de charge. En dessous du ventilateur, on retrouve un PCB sans câble, avec les fameux radiateurs Asus ROG qui sont plus conséquents, ce qui permettra d'avoir justement un fonctionnement passif encore plus longtemps. À l'avant, on va retrouver les connecteurs pour les câbles modulaires de l'alimentation. Tous les câbles sont modulaires, tous les câbles sont gainés. On retrouve le marquage Republic of Gamer. Ensuite, on a le découpage selon l'utilisation des câbles. Enfin, ici, vous aurez le petit câble pour le ARGB afin de relier le bloc à votre carte mère ou à votre contrôleur RGB pour pouvoir piloter la couleur de ce dernier. Sur le côté droit, comme on l'évoquait quand on parlait du côté gauche, on va retrouver le mesh qui descend, le logo ROG miroir version RGB et le marquage Republic of Gamer Strix 1000. En continuant à l'arrière, on trouve une grille d'aération avec des trous qui sont un peu plus petits que ceux qu'on a avec le mesh, mais le mesh du dessus est vraiment très travaillé et ultra fin. Ensuite, on va avoir le bouton qui permettra la sélection du mode de fonctionnement du ventilateur, passif, semi-passif, l'interrupteur, le dispositif pour mettre le cordon d'alimentation et enfin ici, une petite plaque en aluminium Republic of Gamer. Enfin, sous le bloc, on va retrouver les caractéristiques techniques de ce dernier. Asus nous propose un 3V3 de 22A, un 5V de 22A et un unique rail 12V de 83,3A pour 999,6W de puissance sur ce 12V. On est bien sûr sur du 80 plus Gold semi-passif avec une garantie de 10 ans. On se retrouve tout de suite pour parler consommation et bruit. Avant de vous donner un premier avis sur cette alimentation, un petit mot sur le RGB. Vous allez avoir deux zones, comme on l'a déjà dit, derrière les deux zones miroirs, donc à gauche comme à droite. On a un connecteur pour pouvoir relier l'alimentation à un système de pilotage RGB ou une carte mère pour pouvoir sélectionner la couleur que vous voulez et vous pourrez ainsi avoir une couleur assortie à votre configuration. Maintenant que l'on sait presque tout de ce bloc Asus ROG Strix 1000W Aura Edition, c'est un petit peu compliqué à dire quand même, on va vous parler un petit peu consommation, tension et bruit. Alors, au niveau des consommations, on est bien sûr du range en 80 plus Gold, petit tableau. On est à 60 watts au repos, ce qui est même plutôt très bien pour du gold. Et en charge, on sera à 728 watts, donc on est vraiment sur du 80 plus gold. Ensuite, au niveau des tensions, nouveau petit tableau ici. On va être sur un 12 volts qui est à 12,07 au repos, 11,98 en charge. Donc on va perdre 0,09, donc c'est très bien. Ensuite, sur le 5 volts, ça ne bouge pas. 5,02 au repos, 5,02 en charge. Enfin, sur le 3V3, on est à 3,29 volts au repos, 3,28 en charge. On perd 0,01. C'est ultra stable dans OCCT. Aucun problème au niveau des tensions ni des consommations. Ensuite, au niveau du bruit, il faut savoir que le bloc arrive avec un ventilateur de 135 mm, comme ceci, qui est semi-passif avec le petit interrupteur à l'arrière. Il faut savoir que le ventilateur est passif sous 60% de charge, ce qui est absolument colossal, même énorme. Ça veut dire qu'on va être sur une alimentation qui sera clairement toujours inaudible quand on sera au repos, hein, parce que 60% de charge, c'est-à-dire qu'il faut tirer 600 watts sur le bloc pour que le ventilateur se déclenche. Une fois que le ventilateur est en route, bon, sachez qu'il ne fait aucun bruit, il tourne ultra lentement, on a juste un léger flux d'air qui s'échappe de l'alimentation et ça permet de réguler la température à l'intérieur du bloc de façon très efficace. Il faut savoir que la température max au point le plus chaud quand le ventilateur est actif est de 32,4 degrés, donc on est vraiment très 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 bien. Voilà, vous savez tout de cette alimentation ROG Strix 1000W Aura Edition. Rendez-vous très prochainement sur gogoland.com pour le test complet de cette dernière. Sur ce, rendez-vous très prochainement pour toutes nos prochaines vidéos sur Cocotte TV.